C'est Capcom. Oh, c'est des... C'est quoi ça? Oh, ça va être un jeu... Un jeu avec des gros mechas, là. Où ça part dans tous les sens. Ça parlait de combat naval dans les coms. Ah ouais. Ah, j'avoue, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir. J'ai regardé. C'est quoi ce menu infini là? Modifier force, histoire, combat, défi. Bah histoire. Hein. En avant les histoires. Merde, j'ai fait charger alors que j'ai pas de sauvegarde. Attends, mais c'est une licence ça? 17 sur 20, mais ça se sentait, Oko. Ça se sentait que c'était un jeu quali. Et en vrai, même moi qui aime pas le tour par tour, de ce que j'ai vu du jeu, je pourrais pas mal le classer dans la tier list. Ça se voit que c'était un jeu propre. Les commentaires étaient élogieux. Bah oui, j'en doute pas. Je pense que si t'aimes, c'est un super jeu. On n'est pas la cible. On va ressortir la carte, on n'est pas la cible. Bon allez. The day after a meteorite fell towards Safari Town. A boy went in search of it, hoping to find an adventure. Et pourquoi ça résonne? Je connais pas du tout cette licence, c'est fou. Ah, on en découvre. Hein. Non mais l'acteur a enregistré ça dans ses chiottes ou quoi? Pourquoi ça résonne comme ça? Ah, c'est parce que c'est le robot. Oh là, c'est une voix de robot ça. Je m'appelle G-Rouge. Je suis un Gotchaborg venu sur Terre. Pour trouver et stopper l'armée maléfique Kounou sous le nom de Force de la Mort. Ouais, c'est Transformers en fait. J'ai besoin de ton courage pour combattre sur cette planète. Prête-moi ta force et deviens le commandant GF. Prête-moi ton pouvoir et deviens notre commandant GF. Tu l'as déjà dit ça. Le perso de gauche me dit vaguement quelque chose. Après, peut-être parce qu'il a un design très générique. Non. Son visage est très générique. Oh non. Coucou Effy. Bon lorque à toi. Oh non, c'est un jeu au tour par tour encore. J'espère que ça va Effy. Ils sont la force de la muerte. C'est un clan maléfique de Gotchaborg qui combattent seulement pour conquérir et détruire. Ton courage se transforme en énergie GeForce qui est la puissante attaque. Donne tes ordres maintenant. Oh là là. Ah attends, peut-être pas. Ok, peut-être pas. J'ai parlé trop tôt. Je sais pas ce que je fais. Hein. Mais en fait, on joue des jouets. En vrai, c'est marrant. Comment je cible quelqu'un d'autre? Ah, comme ça. Les musiques, elles sont goldées. Je comprends rien. C'est quoi le nom du jeu? Gotchaforce. Gotchaforce, je sais plus quoi. Un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est moche! C'est vrai que là on est un peu sur PS1. Un peu KO, je vais rester un peu alors que ça marche. Merci, merci pour le lurk et bah repose-toi bien. Uh-huh.
Ça a l'air horriblement nul comme jeu. Par contre, son est goldé. Je dois désormais empêcher de tout prix la force de la mort. On s'en fout du lore. Coup. On va pas s'appeler coup quand même. Oh les bruitages. Let's join forces. We will protect you and your planet from the Death Force. We are the Gotchaborg Corps of Justice, known as Gotcha Force. Gotcha Force. Mais je pense que c'est une licence, ça doit être connu. Des bisous sur votre ruf, c'est mignon. Je file en l'air. Bon l'heure, Kefi. Repose-toi bien. École primaire. Attends, on était où nous? Ta maison. La maison de ton voisin. Kakeru. Le Gotchaborg de Wawa s'appelle Girouge. Pourquoi ne pas le faire combattre avec mon Sasuke? Combat ton adversaire. Il y a eu zéro tuto. Le jeu il te lance appuie sur les boutons. Par contre, vous allez peut-être me juger, j'aime bien les musiques. Il y a une bonne vibe. Ok, ça c'est pour sauter, je savais pas. Mais ça se trouve le jeu en fait, si tu rentres dans le délire, il est complet de ouf. Par contre, il me donne mal au crâne, je comprends rien ce qui se passe. Parce qu'en fait, il cible tout le temps l'ennemi. Je suis peut-être tombé sur le jeu. Celui-là ? Ah, c'est pour ça que sa tête te parle. Putain, ça se trouve, le jeu, il vaut 500 balles aujourd'hui. Yeah. Je suis juste super fort. Arrête, Dana. Arrête. Ouais, c'est sûrement ça. Non, je pense pas, il a pas l'air apprécié. Oula, attention au cours. Il y a des jeux éclataxes qui coûtent une fortune parce que rares en fait. Et ça m'étonnerait pas qu'en Europe, il n'y ait pas eu énormément d'éditions. La maison de Mana. Dans la maison. Oh, je m'arrête. Ah. Il vaut bien cher le jeu. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça se voit que c'est les jeux nuls qui coûtent cher. Mana. Attends, pourquoi il y a écrit allié? Ah non, il est au-dessus en fait. Ok. Comment on court vite? C'est éclaté. On va pas se mentir, c'est pas quali. Parce que au final, même le côté tu joues un jouet. Je vois du 200€ minimum, mais what? Ça, faut vraiment être un collectionneur. Des critiques médiocres à la sortie, mais il y a eu une petite communauté de fans qui s'est créée autour. D'accord. J'ai vu du bien plus cher à République. Ah non, mais ça m'étonne pas. C'est triste hein, d'ailleurs, la spéculation sur les jeux comme ça. Genre, heureusement qu'il y a l'émulation. C'est... D'ailleurs, en parlant d'émulation, vous avez vu, Nintendo, ils poursuivent... Ils ont entamé des procédures contre Yuzu, l'émulateur de la Switch, là. Bon, je pense qu'on en a vu assez, non? Est-ce qu'on partirait pas sur autre chose? Ouais, c'est chaud, c'est dommage, hein, ouais. Bon, après, je peux comprendre que l'émulation d'une console en vie, c'est délicat.
C'est normal de la part de Nintendo de... C'est ce qu'ils expliquaient, ils ont dit il y a eu des millions de Tears of the Kingdom joués sur l'émulateur avant la sortie du jeu. Ça pique, tu vois. Je peux comprendre, tu vois. L'émulation comme ça, ok, tu vois, mais une console en vie, c'est chaud. Bon, les derniers combats et puis après on next. Hein. Il faut être productif ce soir parce que au dernier stream on a fait que 4 jeux. En plus le jeu il est... Bon, c'est le début hein, mais y'a rien à faire genre. Je vais pas leur jeter la pierre pour ça. Ouais non mais après... Ouais, on peut pas se plaindre qu'en ce moment ça vire à tour de bras dans les studios et tout. Même si je pense que c'est juste des gens qui payent, des employés qui payent les mauvaises décisions. Et que c'est pas dû au fait que les jeux ne se vendent pas, parce que c'est pas vrai. Les chiffres de vente des consoles et des jeux, ça a jamais été aussi haut, donc c'est des excuses. En même temps, on peut pas se plaindre de ça et d'un autre côté dire bah non, bah c'est normal qu'on puisse jouer gratuitement à la Switch, sans Switch. C'est même pas tu pirates ta Switch. C'est que tu joues sans Switch. Yeehaw. Bon allez next. Je pense qu'on en a vu assez. On a fait le tour.